monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. L'ère du policier et du gendarme posté au bord de la voie est révolue. L'efficacité des forces de sécurité réside désormais dans l'anticipation et dans une synergie de pensée et d'action. Ainsi s'exprimait le président Patrice Talon devant les hommes en uniforme. C'était le 18 juillet 2017. Porté au pouvoir en avril 2016, le chef suprême des armées a affirmé son inébranlable volonté de bâtir un Bénin de paix et de quiétude où chaque citoyen voué à la cause de la patrie travaille pour le développement de la nation. Dès lors, c'est une œuvre de redressement qualitative de la sécurité intérieure qui est engagée. Deux ans plus tard, quel est l'état des lieux? Les réformes ont-elles prospéré? Que révèlent réellement les indicateurs? Pour en parler en plateau avec moi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Ricardo. C'est un plaisir de vous avoir avec nous également. Avec moi pour conduire cet entretien, Henri Ndasekou, journaliste à la Radio Nationale. Henri, bonsoir. Ricardo, bonsoir. Mesdames et messieurs, avant d'adresser la toute première question à notre invité, je voudrais vous inviter à suivre ce reportage. C'est un document signé Ghislain Kogué qui retrace les deux ans de la gestion du pouvoir d'État du point de vue sécurité. Ricardo, police républicaine, un corps tout nouveau, né de la fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale, une force de sécurité intérieure, officiellement activée le 1er janvier 2018. C'est une volonté forte du chef suprême des armées, qu'est le président de la République, de mettre ensemble pour plus d'efficacité les forces militaires et paramilitaires qui sont mandatées pour la seule et même mission de sécurisation du territoire national. À partir de l'instant, c'est une volonté forte. Nous devons nous tenir par la main de mettre ensemble pour que ensemble les forces militaires nous réussissions ce défi qui nous est lancé non seulement par le président de la République mais toute la nation entière. Nous devons, si nous échouons, ça va être dommage et ça va être une catastrophe pour le système sécuritaire. La mission nécessite des moyens. Le gouvernement, en moins de deux ans, a mis à la disposition des unités territoriales plus de 180 véhicules pick-up et plus de 540 motos tout-terrain. Cette dotation donc témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer davantage la capacité opérationnelle des forces de sécurité publique afin qu'elles puissent, à travers une mobilité, assurer aide et protection à nos concitoyens sur toute l'étendue du territoire national. Une façon pour le gouvernement de dire aux forces de sécurité intérieure, j'ai joué ma partition, jouez la vôtre. Et les hommes en uniforme ont investi les ghettos et autres zones criminogènes dans les grandes villes. Un système de renseignement encore plus renforcé a permis de neutraliser plusieurs auteurs de braquage. Le plan de sécurisation des zones frontalières a été activé, avec pour stratégie des opérations coup de poing dans les zones criminogènes et autres zones dangereuses. Les côtes constituent également des frontières. La marine militaire reçoit régulièrement les moyens nécessaires pour s'entraîner et s'aguerrir. C'est dans le cadre de la lutte contre la piraterie que nous devons, à des moments réguliers, entraîner nos troupes, les former, les équiper de façon à lutter efficacement pour la sécurité maritime et pour la sûreté maritime. La sécurité au niveau des corridors Cotonou-Ilakodji, Cotonou-Semekraké et Cotonou-Malaville a été renforcée. La concertation et le dialogue entre tous les acteurs de la sécurité et de la population sont devenus permanents pour mettre en œuvre le concept de la coproduction de la sécurité. Le besoin de sécurité est incompressible. Il s'exprime de nos jours avec acuité, telles que les méthodes classiques de maintien de l'ordre, de police administrative ou judiciaire, ont fini par montrer partout leurs limites. Toutes les nations, face aux nouvelles formes de menaces, ont réagi en explorant de nouvelles stratégies, de nouvelles approches et de nouvelles méthodes pour continuer à maintenir une offre de sécurité en phase avec leurs aspirations. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas l'affaire seulement des militaires, des policiers, des gendarmes.
La sécurité, c'est une affaire de toute la population. Sans l'apport de la population, sans l'apport de ceux avec qui nous vivons au quotidien, on ne peut rien faire. Nous sommes en train de lancer un appel vibrant en direction de toute la population et toutes les couches nécessaires au Bénin afin que la sécurité soit assurée. Des moyens d'entraînement et d'aguerrissement sont mis en place. Un stand de tir des villages de combat à l'école nationale des officiers. A rappelé aussi la loi portant identification des personnes physiques en République du Bénin, dont la mise en œuvre amène à opérer le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Les forces de sécurité intérieure ont participé très activement à des opérations telles que celles contre les faux médicaments et celles contre la transhumance anarchique. Toujours en cours, la chasse aux présumés coupables de crimes rituels. De la même façon, telle que nous punissons, qu'on recherche les cybercriminels, les faux féticheurs, on va les poursuivre jusque dans leur couvent. Et je vous promets qu'on va brûler ces fétiches-là. Et sachez qu'aucun obstacle ne nous arrêtera. Allez voir 1000 kinésies. Allez voir 600 000 kinésies. On les prendra. Et bientôt à Cotonou, à Bomekalavi, Porto Novo et Parakou seront installés des data centers, des salles de vidéosurveillance. Bientôt dans ces villes, des radars et des drones seront dans les airs. Ils seront les yeux de la police républicaine pour que les Béninois vivent en sécurité, même si l'insécurité zéro est une quête permanente. Retour en plateau, Henri Ndasekou, après ce document qui retrace les deux ans au niveau donc du bilan sécuritaire du ministre Sakalafia. Henri Ndasekou. Oui, monsieur le ministre, l'élément témoin vient de planter le décor. Alors dites-nous, l'état des lieux de la sécurité au Bénin, il est lequel? Je vous remercie de m'inviter sur ce plateau ce soir. Et c'est l'occasion pour nous, l'occasion pour les membres du gouvernement, les membres du gouvernement que je suis, de faire le point de ce qui a été fait dans les deux ans que le président Patrice Talon a pris la direction de ce pays. Pour le gouvernement, pour le président et son président, la sécurité est le fondement de tout développement. Le développement ne peut se faire sans l'activité des hommes. Et cette activité des hommes doit s'étendre 24 heures sur 24. Et pour que les activités des hommes puissent se dérouler dans les normes, dans la célérité qu'il faut, il faut la sécurité. C'est la matière première, c'est la matière fondamentale qui permet tout développement. Voilà pourquoi, ça que de vous connaît la situation qu'on a rencontrée dans notre pays. C'était les braquages d'abord mensuels, les braquages hebdomadaires, pour finir par devenir quotidiens, surtout dans la ville de Cotonou et à l'intérieur. Absolument. Ça, c'est la situation. Donc, l'insécurité au quotidien, avec quelquefois des pertes en vies humaines. Okay. Je ne veux pas parler de la petite délinquance dans les quartiers. Je ne veux pas parler des trafics de drogue. À l'instant, on en viendra tout de suite. Mais aucun Béninois en 2016, en avril 2016, ne se hasardait à dire j'achète une moto neuve et je vais la garder pendant 3 mois. Aucun Béninois, aucun jeune Béninois ne pouvait dire je vais en boîte, je vais revenir à 2 heures du matin, je vais rentrer en toute quiétude chez moi. Vous vous souvenez de cette situation. Mais le gouvernement, dès son arrivée, a voulu prendre le taureau par la corde. Et ça, c'est la situation d'aujourd'hui qui s'est nettement améliorée. Depuis le 1er janvier 2018, il n'y a pas eu un seul braquage sur toute l'étendue du territoire national. Comment avez-vous réussi justement cette prouesse, monsieur le ministre? Ah, c'est un investissement sérieux, d'abord du gouvernement sur les hommes, en reprenant de bout en bout le commandement. D'abord, la fusion de la police pour ne pas avoir 2 centres de commandement. Aujourd'hui, je sais à qui s'adresser.
que les membres du gouvernement savent à qui s'adresser, c'est un seul homme, le directeur de la police républicaine, son adjoint et son personnel. Au lieu d'avoir à donner des ordres en direction de Porto-Novo, des ordres en direction de Cotonou, des ordres ailleurs, on a centralisé. Et cela a contribué à l'efficacité. Cela a permis de jumeler les moyens. Cela a permis de centraliser toutes les informations pour une efficacité dans l'action. Donc il y a eu cette fusion de la gendarmerie et de la police qu'au départ on pensait impossible, qu'on pensait être un rêve, qu'on pensait même être fini par un cauchemar qui se déroule assez bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de la méthode. On n'a pas improvisé. On a pris des gens qualifiés, des gens qui ont pratiqué. Ils ont eu 6 mois à réfléchir sur cette fusion de la police et de la gendarmerie. Ils en ont sorti un document que le gouvernement a analysé, a corrigé. Et on a commencé à mettre en œuvre depuis le 1er janvier dernier. Vous l'avez dit dans votre introduction. C'est un des facteurs de réussite. Et cette réussite se traduit, comme vous l'avez constaté, par la mise en cessation totale du rançonnement. Vous l'avez constaté, vous l'avez dit à l'introduction. On ne rançonne pratiquement plus. Ou tout au moins, s'il y en a, le policier sait qu'il sera puni. Une centaine de policiers ont fait le youf pour avoir rançonné. D'autres le feront. Et on les a punis dans leur moelle, c'est-à-dire sur le grade. Auparavant, quand un agent de police commettait une faute, on se contentait de l'enlever de son poste. On a dit non. Là, les sanctions sont plus sévères désormais. Non, elles sont plus justes. Elles sont plus justes parce que si on vous enlève de votre poste, on vous met dans une chambre, vous restez, on ne vous en sert pas. Et puis un jour, on vous fait une promotion parce qu'on a eu le temps d'oublier. Cette fois-ci, on vous sanctionne de telle manière qu'au moment d'avancer en grade, qu'on puisse vous retarder parce que vous êtes un mauvais élément et que vous êtes amené à faire le garde à vous promotionner. Alors, monsieur le ministre, indépendamment de ces indélicats gradés ou pas qui sont sanctionnés, quel est le moral de la troupe aujourd'hui? Oui. Moi, je pense que les gens étaient inquiets au départ pour toute la fusion. Les gens s'étaient inquiétés sur les sanctions parce qu'ils n'étaient pas habitués. C'était l'impunité la plus totale. Chaque agent, à quelques exceptions près, avait un tuteur là-haut qui était son parapluie. Il pouvait donc faire tout ce qu'il a pour qu'il amène une rente. Ça, c'est ça. On a mis un terme à ça. Moi, je n'ai pas besoin de rente. Mes collaborateurs n'ont pas besoin de rente. Aucun ministre n'a besoin de rente de la police ou de notre agent de sécurité. Donc, voilà le premier acte. Le second acte qu'on a posé, c'est mis dans votre introduction. On sait que le racket servait à faire fonctionner les unités. C'est pas de faire reçu, de faire recette indue. C'est recette illégale que la brigade des gendarmeries payait son électricité, achetait la rame de papier, que le conseil de police entretenait, payait l'électricité ou payait l'eau. Le gouvernement a décidé de mettre les choses à l'endroit. Plus de raquettes, mais on met les ressources qu'il faut. Ce sont les fonds de sécurité. Votre fonds de sécurité. Et bien déterminé, bon, je ne veux pas donner les chiffres maintenant, mais chaque commissariat, chaque brigade a une dotation mensuelle régulière qui lui permet de fonctionner sans avoir besoin de s'en prendre. Mais au début, ça n'a pas très bien fonctionné, monsieur le ministre. Les habitudes ne s'abandonnent pas. Du coup, il faut un temps. Et il faut du mordant pour le dirigeant. Il faut que le dirigeant montre sa détermination. Et aussi que chacun joue son rôle. On a promis des fonds de sécurité, on les met en place. On a promis de sanctionner les indélicats, on les sanctionne. Et aujourd'hui, chacun de nous tire profit de ça. Que ce soit la population pour laquelle on travaille, et même les policiers eux-mêmes, ou bien les gendarmes eux-mêmes, ou bien les agents de force de sécurité, se sentent plus à l'aise. Parce que chacun travaille dans des conditions optimum pour réussir la mission. Ensuite, nous avons changé notre stratégie de fonctionnement, de travail. Auparavant, vous l'avez dit, on voyait à tous les 50 km une route barrée.
Ce qui est d'abord contraire à notre constitution, la libre circulation des biens et des personnes. Tous les citoyens béninois ont le droit d'aller et venir. Donc aucun autre ne pourrait barrer la route sans raison profonde pour dire « je contrôle si je vérifie ça ». Nous avons levé toutes les barrières. Même sur le plan international, nous reconnaissons 8 barrières. Sur le corridor, d'ici Cotonou, d'ici Maranville, on nous reconnaissait un certain nombre de barrages, de la frontière de Lomé à la frontière Nigeria, on nous reconnaissait un certain nombre de barrages. Dans le plan de Lumois, on a levé tout ça. Tous les citoyens ont la liberté d'aller et de venir. On pensait que c'était impossible. Même les professionnels nous disaient que c'était la débandade. Il y aurait un doublement de banditisme, un doublement de... C'était la crainte des uns et des autres, monsieur. Oui, parce que les gens tiraient leur profit. Les gens avaient le profit qu'ils tiraient. Mais on a levé tout ça. Mais on a imposé en contrepartie la mobilité des agents de sécurité. Vous le constatez, pour ceux qui voyagent, contraste même de nuit, vous rencontrez quelque part un véhicule de la police. Mais si vous avez des difficultés, des pays étrangers nous ont félicités pour ça d'ailleurs. Parce que bon, il est arrivé, les gens sont tombés en panne, et puis bon, ils voient la police, bon, à ce moment, la gendarmerie se rapproche d'eux, leur porter secours, ils ont trouvé ça extraordinaire. Mais ça, c'est sur les grands axes et sur les... Dans la ville, vous l'avez constaté à Cotonou, ici, à tous les carrefours, on a un ou deux agents pour, auparavant, assurer la sécurité quand il n'y avait pas les feux tricolores. Maintenant qu'il y a des feux tricolores, il y a quand même des agents pour que, bon, en cas de panne de feu, ou en cas d'accident, en cas d'insécurité, qu'ils puissent intervenir tout de suite. Donc ça, c'est des dispositions nouvelles qu'on a eu à prendre dans le cadre de la sécurisation optimum de notre pays. Et je vous dis que ça met quand même tous les citoyens à l'aise. Même les pays voisins, tout récemment, nous ont félicité pour ça. D'accord, Henri. Bien. Oui, quand je parlais de grands axes, c'était pour demander, c'est pour demander à M. le ministre, par exemple, est-ce que n'importe quel usager a la chance de croiser une patrouille sur l'axe Natitengu-Kouandé, par exemple? Bien, oui, ça c'est réel. C'est-à-dire, le travail a été rationalisé. Et chaque brigade sait le tronçon qu'il va parcourir. Mais en donnant priorité au tronçon bitumé. Sinon, la route en terre, à partir de 21h, il y a très peu de circulation souvent parce que la qualité de la route ne permet pas de circuler de façon nocturne. Mais il y a toujours des forces de sécurité pour veiller. Et les résultats ne sont pas faits attendre. Et c'est la sécurité que vous sentez en ce moment. Alors, Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'une des plus grandes innovations, on l'a d'ailleurs appelé suffisamment depuis le début de cette émission, c'est la création de cette force unique. Je veux parler de la police républicaine. Oui. Alors, quelles sont les missions réelles que vous avez assignées à cette police républicaine, puisque justement la cohabitation, la collaboration entre gendarmes et policiers n'est pas aisée, vous le savez. Je crois que gendarme, police, c'est un thème sémantique. La mission, il y avait tous en gros la même mission, la sécurité des biens et des personnes. Ils sont formés dans ce sens-là. Avec une répartition qu'on a eu à faire, les gendarmes en milieu rural, la police en milieu urbain. Mais les gendarmes étaient jaloux de ne pas pouvoir intervenir en milieu urbain. Les policiers étaient frustrés de ne pas pouvoir intervenir en milieu rural. Si vous discutez avec eux, ils le ressentent et ils l'expriment. Et si bien que cette fusion a été la bienvenue. On ne sont pas les premiers dans ça. En Afrique, il y a des exemples. Dans les pays anglophones, il n'y a qu'une seule force de police. Il y a la police et l'armée. C'était dans le système francophone qu'il y a la gendarmerie. Même dans les pays, dans d'autres pays francophones, il n'y a maintenant que la police, tout simplement. Et cela, comme je l'ai dit dès le départ, rationalise les méthodes d'action et de commandement. Et pour un bénéfice qui est évident et que vous constatez tous. Mais comment est-ce que vous comptez gérer, je dirais, les grades, vous savez, les tenues c'est un processus. Pour les hommes, c'est au départ que c'est quand il y a des intérêts qu'on n'a pas respectés, qu'on a des difficultés. Quand chacun a son intérêt sauf, la mission étant commune, on s'en sort. Pour les grades, cela a été fait même avant l'idée de la fusion. Depuis 2013 ou 2012, il y a déjà des lois, des correspondances
celui qui est maréchal des logis, c'est dans ça, dans la gendarmerie, sait à quel grade ça correspond dans la police. Celui qui est commissaire divisionnaire, sait à quel grade ça correspond dans la gendarmerie. Donc la loi existait même avant l'arrivée du président Talon au pouvoir. Donc il n'a qu'à chercher à appliquer cette loi. Il n'a qu'à chercher à reclasser les gens qui étaient peut-être en retard pour avoir son grade de commissaire principal. Et s'il n'était pas bon, on a essayé de l'amener au grade auquel il devrait être au 1er janvier 2018. Les gendarmes qui avaient du retard de reclassement, on les a amenés à leur grade le 1er janvier 2018. Il n'a qu'à chercher à faire la correspondance. Et cela a été fait. Monsieur le ministre, pour faire plus concret, oui. Est-ce qu'un élément de la police républicaine aujourd'hui oui. Est plus heureux que le gendarme ou le policier d'hier? Je ne sais pas, le bonheur a plusieurs sources. Si on a les moyens de faire le travail qu'on a à faire, on peut être heureux. Si c'est pour améliorer votre salaire, personne n'a perdu un franc de son salaire, de ce qu'il gagnait. Et si c'est pour avoir la capacité d'être un leader quelque part, et à faire la correspondance des grades, on en tient compte pour responsabiliser. Mais de façon plus précise, monsieur le ministre, oui. vous savez sans doute de quoi on parle. Est-ce que vous payez réellement, comme cela se doit aujourd'hui, le policier et le gendarme? C'est oui. ça le problème aujourd'hui. Je dis, personne n'a perdu dans sa promotion. Personne. Personne n'a perdu. Conformément au texte qui existait, et au texte qui existe aujourd'hui, chacun a été continué d'être traité comme il l'était et normalement comme il le doit. Et pourtant, on vous a vu, à l'arrivée du gouvernement, il y a eu plusieurs lois qui ont été rangées au placard, qui oui. justement accordaient un oui, certain... Oui, des décrets notamment. Oui, des décrets. Oui, ce n'était pas des décrets fondamentaux, c'était des décrets particuliers, qui aussi étaient des décrets suspects. Des décrets... Suspects pourquoi? Suspects parce que signés à la veille du départ de nos prédécesseurs. Donc après l'élection du nouveau après président. Après l'élection du nouveau président. Ensuite, ce décret, après une petite enquête au sein même de la police et des joyeux forêts et de la douane et de la gendarmerie, il y avait des contestations. Donc on s'est dit, on les suspend, ces tests-là, le temps de faire la fusion et de bien regarder les mobiles qu'il y a. Mais on a gardé un qui leur permet quand même tous d'être placés au même niveau, quitte après à faire des décrets particuliers pour chacun des corps. On va évoquer l'élément témoin, il l'a évoqué également, ouais. Près de 600 motos, près de 200 véhicules, ouais. Toujours pour les éléments de la police républicaine. Est-ce à dire que c'est déjà suffisant ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? Oui, on est conscient de ça. Mais les éléments, les forces de sécurité ont été surprises parce que pour ceux qui osaient parler disaient que c'est une première. Même ceux qui ont 20 ans de carrière, ceux qui ont 15 ans de carrière, disent que c'est pour la première fois qu'un gouvernement décide de les doter. Nous, on est persuadés que ce n'est pas suffisant. Mais on ne pouvait pas tout faire en une fois. Et donc, ça a été une première étape qui a permis quand même d'avoir un résultat. Tel nombre de véhicules, tel nombre de motos. Et on dit souvent une mission, les hommes et les moyens. Les hommes, on les réorganise en faisant la fusion. Les moyens, on les attribue. La mission, elle est là, elle est claire. C'est assurer la sécurité optimum de tous les Béninois, de leurs biens et de leur physique. Voilà ce que le gouvernement fait. C'est clair, notre vision est claire, notre mission est claire. Nous savons où on va dans ce domaine-là. Et justement, dans cette mission aussi bien dévoilée, monsieur le ministre, vous êtes revenu, vous avez, je dirais, innové avec un thème plutôt incompris de, ouais. de bien de Béninois, la coproduction. Vous connaissez à peu près notre effectif. On a moins notre ratio, c'est inférieur à un agent de force de sécurité pour 1000 Béninois. Ça veut dire que même si on devrait donner un policier à chaque citoyen, il faut peut-être multiplier par 100, par 1000 nos agents. Donc, et la sécurité d'abord, c'est le renseignement. La sécurité, il faut pouvoir renseigner les forces de sécurité. Les forces ne pouvoir pas être présentes partout.
notre équipement technologique ne nous permettant pas d'aller même jusqu'au téléphone des domiciles des gens, c'est les citoyens qui doivent pouvoir informer. Et on a fait qu'il faut changer la philosophie d'approche. Au lieu que la police républicaine gouverne par, en faisant peur, par crainte, par terreur sur les citoyens, on doit changer l'approche. Parce que dans un passé récent, je ne vous apprends rien, les citoyens fuyaient quand ils voyaient les policiers. Oui, on veut faire le contraire. Le policier doit être maintenant le recours. Quand un citoyen est en danger, quand un citoyen a un besoin de sécurité, la police doit être le recours. Il doit y aller spontanément pour dire « j'ai tel problème » et la police a le devoir de lui répondre en toute courtoisie et avec toute la rigueur et tout le sérieux qu'il faut. Donc voilà ce que nous appelons coproduction de la sécurité. Que la sécurité ne soit pas l'affaire des policiers à eux seuls, qu'on dit bon, on aide la police à retrouver. Oui, d'accord, on aide la police à retrouver. Mais on doit pouvoir aider depuis même l'information. Et ça, savoir que le résultat est à partager à nous tous. Ce n'est pas la gloire de la police à elle seule qui est la sécurité. Le citoyen doit pouvoir en jouir. C'est un bien commun, c'est un bien partagé. Il doit être donc produit ensemble, chacun, selon le poste où il se retrouve. Monsieur le ministre, sur la question justement du renseignement, oui. Vous savez bien que le niveau de confiance n'est pas assez élevé. Vous avez des gens qui ont des informations importantes qu'ils devraient communiquer, mais vous les entendez dire, mais est-ce que c'est moi qui vais dire ça pour que demain, le gars qui va être libéré peut-être dans 2-3 mois, il viendra menacer ma vie. Je vais vous dire, je vais vous dire ceci, les policiers sont formés pour protéger les informateurs. Je peux le dire, aucun agent de police, qu'il soit gradé ou pas, n'indique jamais ce qu'il a informé. Maintenant, ils peuvent ne pas agir tel que vous attendez, parce qu'ils ont quand même des moyens d'appréciation. Ou bien ils veulent réunir plus de preuves. Mais jamais on n'indique ce qu'il vous a informé. Mais vous entendez des besoins de dénoncer ensuite, de complicité parfois. Ensuite, on a plusieurs moyens. On peut informer la police sans se présenter soi-même. Ah, nous avons par exemple un numéro, le numéro d'urgence, numéro 166, qui vous permet de dénoncer un fait d'insécurité sans vous présenter vous-même. Ça, c'est d'abord, c'est très, très important. Nous avons maintenant la technologie, même par SMS. Vous pouvez envoyer à un agent de la police ou au commissaire de votre quartier sans vous présenter vous-même. Mais ce que nous souhaitons, il faut que l'information soit réelle, qu'elle soit vraie, que ce ne soit pas des rumeurs, que ce ne soit pas l'occasion pour distraire les agents, pour distraire les agents ou calomnier quelqu'un. Nous, on recherche l'information vraie et réelle. Dans d'autres pays, même si vous brûlez le feu, c'est vos collègues qui sont dans la voiture qui téléphonent la police. Tel véhicule immatriculé tend à violer le feu à tel endroit. Ça, et puis, c'est tout ça qui contribue à faire la sécurité dans l'ensemble du pays. Vous voyez, par exemple, il y a des dispositions aussi que nous avons prises pour renforcer cet état de fait. Je viens de parler du numéro 166, oui. Pour améliorer la célérité. Nous avons pris, on vient maintenant de nous doter de radars qu'on est en train de tester pour voir comment les automobilistes se comportent en rase campagne. Et aujourd'hui, on le fait à leur faire les remontrances, mais plus tard, il y aura des sanctions que nous allons prendre. Nous avons pris aussi d'autres dispositions pour renforcer tous les dispositifs et permettre une amélioration de l'action de la police. J'ai parlé tout à l'heure du numéro vert, qu'on appelle numéro vert, c'est le numéro d'urgence. On le parle des radars. Mais dans l'avenir, on veut reprendre les caméras de surveillance dans toutes les grandes villes, dans les points sensibles. Ça, c'est les caméras publiques. Mais aujourd'hui, on a déjà un décret qui fait obligation aux établissements financiers de se doter de caméras privées de surveillance. Notamment par rapport aux opérateurs économiques. Même vous aussi, par rapport à vous aussi,
vous devez pouvoir mettre des caméras ici, c'est un endroit public, très fréquenté. Voilà, il y en a suffisamment. Voilà, fréquenté. Dans d'autres pays, cela permet de maîtriser en cas d'attaque de terrorisme. Bon, on n'en a pas encore chez nous ici, on ne souhaite pas en avoir, mais dès qu'il y a des attaques terroristes, cela oriente le commandement pour savoir comment disposer des forces de sécurité. Donc, tout ça, ça veut dire que le gouvernement est vraiment soucieux d'un climat de sécurité qu'on veut répandre sur toute l'étendue du territoire et sur tous les citoyens. Le gouvernement est soucieux justement de la sécurité des Béninoises et Béninoises. Oui. Monsieur le ministre, c'est pourquoi peut-être récemment vous avez, relevé, vous avez commencé par le dire, vous avez relevé plusieurs chefs des unités de leur fonction. Aujourd'hui, beaucoup se demandent encore les raisons, les motivations qui ont amené le ministre Sakalafi à prendre cette décision. Oui, 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 c'est vrai. Et on a parlé tantôt des fonds de sécurité. De sécurité. Et quand on a mis en place ces fonds, j'avais des détails qu'on n'a pas précisés. Dites-nous. Dans un état qu'on fait, et si vous avez reçu 1000 francs, on vous dira que 200 francs, c'est pour le fonctionnement. 150 francs, c'est pour acheter, c'est pour donner des PDM aux jeunes. 15 francs, c'est pour prendre les renseignements. Mais ensuite, si vous recevez ces fonds, appelez tout votre personnel, dites voilà, le ministère de l'Intérieur veut de nous envoyer 1000 francs. Et voilà la répartition. Et chaque fonds doit être dépensé dans ce cadre-là. Mais on a constaté que certains fonctionnaires, quand ils ont reçu ce sous-là, ils ont pris l'intégralité, ils ont placé dans leur compte pour que ça leur apporte des intérêts. Il y en a qui ont pris pour faire le capital à leurs femmes ou le petit commerce. Il y en a qui ont pris pour aller rénover leur moto. Ainsi de suite, ainsi de suite. Certains ont peut-être payé des dettes de leurs unités. Bon, si c'est bien justifié, mais aussi c'était pas, si la dette était antérieure à la mise en place, il faut quand même vous expliquer avant de le faire. Donc c'est cela qu'on a sanctionné. Pour faire l'exemple, pour permettre la pérennité de ce fonds-là. Parce que par ailleurs, chaque agent a son salaire. Auparavant, il se débrouillait pour faire marcher l'unité. Si le gouvernement se permet de trouver des fonds de cette hauteur-là, on doit pouvoir les gérer de façon optimale. Ensuite, les agents de sécurité. C'est eux qui vont chercher. Donc, ils devraient pouvoir donner l'exemple. L'exemple. Et le bon exemple. L'exemple à suivre. Voilà pourquoi on a agi de cette manière. Et cela a donné le résultat. Pour des questions de tenue au service aussi, des chefs ont été sanctionnés. Est-ce que parfois ces sanctions, monsieur le ministre, ne sont pas très dures? Ce devrait être des gens prêts. Ils ont été formés pour être disponibles 24 heures sur 24. C'est des gens même qui ont signé des serments. C'est une passion. Ils ont le salaire à la fin du mois pour protéger Ricardo, pour protéger Henri. Donc, ils doivent être disponibles. Et ensuite, ce qu'on a appelé, ce n'est pas les petits agents. C'est le responsable qui doit donner l'exemple, qui doit donner le meilleur comportement qu'on va voir aux heures de service en tapette. Dans ces conditions, il ne peut pas remplir sa fonction. Il n'a pas pris sa fonction au sérieux. Et alors, il faut lui dire qu'on n'est pas content. Donc, le temps de s'habiller, le temps de passer. Vous voyez, si vous ne connaissez pas, c'est tout est écrit. Chacun de ces aux heures de service, le comportement qu'il doit avoir. C'est l'avantage de ces corps-là, que ce soit l'armée ou la police, tout est écrit, même les procédures de sanction. Avant de vous sanctionner, voilà les conditions. Si vous avez pour vous telle faute, voilà la sanction. Et elle est écrite, signée, acceptée, et à la formation, que les 9 mois que dure la formation, mais les 3 mois que dure la formation, tous les matins, on vous le répète. Donc, c'est par là que ça doit commencer. Et sachez que c'est le développement, c'est le travail et l'organisation. Le développement, c'est du travail organisé. Si vous ne travaillez pas, on ne peut pas vous développer. Si vous travaillez que vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas vous développer. Si vous êtes organisé, vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas vous développer. Donc, c'est du travail organisé qui fait le développement. Le développement, c'est le travail organisé, monsieur le ministre. Oui. On vous a vu également sur un chantier très important au cours des derniers mois, c'est la lutte contre les faux médicaments. Oui. Dites-nous un peu comment cela, l'opération s'est déroulée pour que vous alliez surprendre en flagrant des C'est dommage d'abord que
la réaction qu'on a eue de la population, de croire que bon, c'est un commerce comme les autres. Un médicament, si vous allez voir un pharmacien, vous dites que je vais acheter une drogue, c'est un médicament. Tout médicament est une drogue. Ça dépend d'abord, donc ça devient médicament quand parce qu'il y a des normes. S'il y a des normes, s'il remplit les normes, depuis sa fabrication, son transport, sa conservation, à partir du moment où une des normes n'est pas appliquée, il devient faux, il devient mauvais, il devient maintenant poison, il devient drogue au vrai sens du mot. Mais quand tout est respecté, il est médicament. Maintenant, quand ces médicaments sortent du cadre des normes où il doit exister, et le cadre, il est fabriqué, il est transporté, il est vendu par un professionnel, qui est le pharmacien. Il est stocké à la pharmacie, dans des conditions de température et d'aération. Si ce produit se retrouve à Tantopa, il devient une drogue, il devient un poison. Et pour sécuriser les citoyens, un gouvernement a le droit et le devoir de faire respecter les normes. Donc, c'est pour cela qu'en 2017, il y a eu une première opération qu'on appelait Pangea, qui est une opération mondiale. Si vous allez au Togo, il y a Pangea. Si vous allez en Allemagne, il y a Pangea. Si vous allez en Amérique latine, en Bolivie, il y a Pangea. Donc, c'est une opération policière de l'Interpol sur le plan mondial pour trouver une journée et lutter contre les faux médicaments. C'est vrai, l'année dernière, c'était Pangea 9. Et ça veut dire qu'il y a eu Pangea 8, il y a eu Pangea 7, mais 9, on en parle parce que ça a été mieux organisé. Parce que ce gouvernement ne fait rien avec la plaisanterie. Nous n'avons fait rien pour faire semblant. On ne veut pas plaire à quelqu'un. C'est ce que la loi dit qu'on fait. L'Interpol mondial a dit de lutter contre les faux médicaments, on le fait selon les normes. Donc ça a été mieux organisé. Ça a été financé, autorisé par le gouvernement. Voilà pourquoi on a eu plus de 100 tonnes de ces médicaments. Parallèlement, au lieu que ce soit une journée ou en un temps précis, on a dit qu'on va continuer l'opération. Voilà pourquoi il y a eu l'opération à Kpakpa. Voilà, c'est qu'il y a eu encore plus de 100 tonnes de ces médicaments. Nous sommes en train de nous préparer pour Pangea 10. Ah bon, déjà? Ah oui. Pangea 10 aura lieu. On a déjà eu l'alerte de l'Interpol pour Pangea 11. Qui aura lieu après Pangea 10, forcément, jusqu'à ce que le dernier trafiquant de médicaments soit arrêté, qu'il soit puni. Au départ, on n'avait pas les textes qu'il faut. Maintenant, on a des textes. On a adhéré à des conventions internationales. Notamment la convention Medicrim. Medicrim, pour punir. On est à l'aise maintenant. La police est à l'aise. Et quoi, la justice aussi est équipée pour aller jusqu'au bout. Parce qu'il s'agit de la vie des citoyens. Il va rester la sécurité. Frontière poreuse, monsieur le ministre. On fait confiance aux pays voisins aussi pour faire le même geste. Ensuite, ceux qui viennent savent désormais qu'au Bénin, on ne plaisante pas avec le commerce des faux médicaments si on veut continuer de conserver sa liberté d'aller et venir. La police, elle est à l'aise. La justice devra également faire son travail pour accompagner justement cette police républicaine. Cette police républicaine qui, justement, depuis un moment, fait parler d'elle, notamment en démantelant, je dirais, le réseau des jeunes communément appelés les gaïmans, les cybercriminels. Et vous l'avez dit, ils peuvent avoir 6000 Kenessi, le fétiche, vous allez les démanteler. Oui. C'est vrai également, et la cybercriminalité, c'est une délinquance mondiale. Et elle fait suite à l'avancée des technologies. Et à partir du moment où c'est une délinquance, c'est une criminalité, la police a le devoir de lutter contre. Donc depuis toujours, nous avons une unité spécialisée qui lutte contre la cybercriminalité, avec quelques faiblesses, parce que je vais revenir là-dessus, pourquoi on a des faiblesses et on n'a pas beaucoup de précisions sur l'enregistrement des SIM-ici, je vais revenir là-dessus. Donc, mais chez nous ici, là, au Bénin, ça a pris une certaine dimension, où des petits délinquants avec Internet escroquent les Béninois, escroquent les Africains, escroquent même les noms
africain. Non, content de ça, il pense qu'il faut aller se confier à des fétiches pour mieux faire. S'il se confie à des fétiches pour leur faire des offrandes de poulet, de fromage blanc, on ne se plaindrait pas. Mais il demande du sang humain. On voit des fétiches qui leur demandent du sang humain. Mais alors, je vais dire ceci. Oui. Vous savez, les féticheurs et les fétiches, aucun fétiche ne demande du sang humain. Aucun. Il paraît bien, monsieur. Mais les petits cybercriminels ayant perdu confiance en eux-mêmes, ou bien étonnés de leur succès, pensent qu'il faut se confier au féticheur pour lui demander, faites en sorte que je puisse avoir 10 millions. Le féticheur lui-même n'a jamais reçu de ça, mais 100 000 francs comme ça. Il pense que les 10 millions, c'est inaccessible. Alors le féticheur, pour vous renvoyer une fois de bon, vous demande quelque chose d'impossible à obtenir. Et ce quelque chose d'impossible à obtenir, c'est le sang humain. Il sait que si vous le faites, une fois, deux fois, on va vous prendre. Donc le féticheur vous exige ça, croyant que ça suffit pour arrêter votre ambition. Mais maintenant qu'ils vont jusqu'au bout, la part du gain, la soif qu'ils sont en argent, les amène à commettre ces crimes-là. Non, mais pas toujours, monsieur le ministre, parce qu'il paraît qu'il y a certains fétiches, justement, qui réclament le sang humain pour faire accélérer, justement, l'effet de... Le kinésie existait avant la cybercriminalité. Les individus qui ont dévié le rôle des fétiches, et on doit pouvoir les sanctionner. Ça, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui permet à la cybercriminalité d'être à l'aise chez nous ici? C'est parce qu'on est à l'instant sous-équipé. Ensuite, on a négligé cet aspect-là, parce que vous allez dans nos GSM, vous appelez Ricardo, vous appelez Ricardo Topa, ils vont enregistrer Ricardo Topa. Et on sait que Ricardo Topa, il n'y a pas ça. Alors, désormais, dès qu'on va finir le recensement de la population, le RAVIP. On va venir d'ailleurs sur ce... Sur cet aspect, oui, ça, c'est l'usage futur. On va reprendre l'enregistrement des citoyens de leur CIM. Et on va s'entendre avec ces exploitants des ISM que désormais, pour avoir votre CIM active, vous devez donner votre numéro RAVIP. Toutes les CIM seront reliées à un numéro RAVIP. Tant que le numéro n'est pas enregistré, la CIM ne sera pas activée. D'accord. Et à partir du moment, on ne peut pas nous donner, que vous appelez Ricardo Topa. Non, vous allez nous donner un autre nom. Vous êtes sûr, on a votre photo, on a vos empreintes digitales. Et n'importe quel CIM vous achetez pour aller dans un cybercafé pour escroquer les gens, on sait que c'est une CIM achetée, acquise par Harry Dasseko. Pendant que vous l'annoncez, voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que ces jeunes... Oui. Qui ne sont pas moins intelligents, sont en train de réfléchir à comment ils vont contourner ces nouvelles mesures. Oui. Toute mesure prise, c'est pour régler le problème d'un instant. Ce n'est pas forcément pour régler le problème de l'instant suivant. Mais on va être à la hauteur. On va être à la hauteur. On va augmenter les effectifs. On va améliorer la formation de nos agents. On va décentraliser même la formation dans toutes les régions du pays et on va traquer autant qu'on le peut. Mais monsieur le ministre, comment est-ce que vous êtes arrivé justement à arrêter ces jeunes que vous avez déjà mis sous les verrous? C'est un secret professionnel. vous savez, dès qu'on commet un meurtre, ça dépasse l'entendement. Et souvent, c'est des réseaux. Si vous prenez un, il va vous dévoiler les autres. Voilà comment on a procédé. Et ça continue jusqu'à maintenant. Ensuite, on a appelé la population au secours. Oui. C'est la population qui est en train de nous aider. Et comment est-ce que la population vous aide? Secret professionnel également. En utilisant le numéro vert. Le 166. Le 166. Et parlons justement du numéro vert. Oui. Combien de personnes appellent par exemple par jour? Est-ce que ce numéro est vraiment utilisé? Ah, je ne peux pas vous dire. Au départ, dès qu'on l'a mis, c'était près de 4000 appels par jour. 4000 appels. Bon, aujourd'hui, ça avait baissé entre-temps parce qu'il y avait d'autres numéros. Aujourd'hui, nous avons plus de 2500 appels par jour. C'est-à-dire quoi? Que plusieurs personnes peuvent appeler instantanément sur le même numéro? Oui, ben, oui. On a au moins 8 postes qui peuvent être en train de parler simultanément.
Et s'il y a un 9e, il attend. Dès qu'un accroche, le numéro pour le numéro 2 accroche, et ça sonne automatiquement. Donc, on a la meilleure installation en ce moment en matière de numéro 20. C'est pour ça que ça fonctionne. Alors, pour quelqu'un qui utilise un portable normal, on sait que généralement pour les numéros d'urgence, on dit qu'il faut éteindre d'abord son portable. Non, le mien n'est pas comme ça. Celui-ci, on compose directement. Ça, la technologie est avancée et c'est gratuit. Vous faites 166, après l'émission, ça va sonner et quelqu'un va vous faire vous. Et ensuite, l'équipe qui reçoit, elle est mixte, elle est sapeur-pompier, donc dès qu'il y a un incendie quelque part, il réagit. S'il y a une inondation, une catastrophe, il l'appelle tout de suite, si c'est la protection civile qui doit aller, si c'est le sapeur-pompier, si c'est la police, il est informé, on a un réseau d'informations, de numéros, pour informer automatiquement. Alors, donc, pour raccourcir le délai d'intervention et aussi prévenir certains... risque d'accident ou d'insécurité. Et justement, pendant que ce numéro vert, monsieur le ministre, est utilisé à bon escient, est-ce que vous ne pensez pas que dans votre département ministériel, vous devriez pouvoir penser également à une réforme pour mieux maîtriser, je dirais, les faux féticheurs? Est-ce qu'il ne faut pas penser à un répertoire, justement, des féticheurs? Parce qu'il y en a suffisamment au Bénin. C'est nos perspectives. Et aujourd'hui, si on prend les confessions religieuses, on connaît. Elles sont enregistrées. Si quelqu'un veut créer une église, il est enregistré. Mais on s'est dit que les religions traditionnelles, c'est notre bien, c'est notre quotidien. On ne s'était jamais intéressé à les enregistrer. Mais avec ce qui se passe, et suite au point de presse animé la dernière fois par mes collègues de la justice, on pense normaliser cette activité-là. On va savoir les différentes branches qui existent, quels sont ceux qui les animent. On travaillera avec eux. Ils vont nous dire le fond. Ceux qui sont les vrais féticheurs ne font jamais. Pour passer ces actes-là. Mais c'est d'autres qui prennent des branchements ou bien qui font du faux, sachant que leur objectif, c'est d'escroquer les autres citoyens ou bien demander à poser des actes crapuleux qui animant ces faux fétiches-là. On pourrait les dénicher et les empêcher. Et, ou besoin même, brûler leur temple. Mais comme c'est un domaine qui relève un peu de la métaphysique, comment on sait qui est faux, qui est vrai? Faux, c'est celui qui demande le sang humain. Ça, c'est d'office, parce que c'est dangereux. Ça, c'est clair. Et à la création, en échangeant avec les féticheurs, il n'y a aucun qui dit, je peux vous créer pour que vous servez de sang humain. Jamais. Sinon, on va commencer par lui-même. c'est clair. Donc, et puis, dans la réalité, vous dites que c'est juste pour se donner une certaine crédibilité, répandre la peur, même assurer le cybercriminel que son fétiche est le meilleur. Pour ça qu'on lui demande, on lui fait une ordonnance la plus élevée possible. Du sang humain. Voilà, c'est tout. La réalité, ensuite, maintenant, pour finir, je vous en veux, nous, les intellectuels. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? C'est le côté de croire à ça. C'est notre faute. Si on est parti à l'école, c'est pour apporter la lumière dans le village. C'est-à-dire? Mais monsieur le ministre, quand on voit que des enfants sont égorgés pratiquement oui, à tous les coins de la rue... C'est ça, c'est parce qu'on croit aux fétiches ou aux kinésies qu'on pense qu'on va à cet acte-là. C'est celui qui fait ça qui croit, c'est pas nous. Voilà. C'est nous les intellectuels qui devons cesser de croire, aller au village, cesser de croire à ça. Un fétiche qui demande des sangs humains. Vous pourrez ne pas rejoindre Cotonou. J'ai les moyens de vous faire rejoindre Cotonou. Si vous voulez le faire, informer. En tout cas, vous n'avez pas peur du calendrier. Non, c'est des histoires. Dites ça à votre commissaire de police de la localité, rien ne vous arrivera. Ça, c'est clair. Donc, nous, les intellectuels, nous devons aller. En Europe, oui. Au Moyen-Âge, c'était comme ça. C'est quand ils ont mis un terme à ça qu'ils ont commencé le développement. Alors, monsieur Parce le ministre, que quand on met un terme à ça, les gens se libèrent. Les énergies se libèrent. Les gens se font confiance en eux-mêmes et savent que c'est le travail, c'est l'effort qu'on fait, c'est l'organisation, c'est la solidarité entre les citoyens qui fait le développement. Ce n'est pas en se référant à un fétiche. Et ces fétiches-là, elles font le point. C'est ceux qui ont le moins réussi au village qui deviennent des féticheurs.
si vous avez votre bac C, votre bac A avec mention. Oh, c'est la réalité. Faites le point. Ce que fait le bac avec mention, ceux qui ont eu le bac, ceux-là, réellement, ne sont pas féticheurs. Mais vous avez de grands manitous, de grands hommes d'affaires, de grands politiciens qui s'acoquinent avec ces choses-là, monsieur le ministre. C'est eux qui ont tort, là. C'est eux que je condamne, qui croient à ça. Alors, monsieur le ministre, ça pour mystifier les autres. N'est-ce pas? Ça vous donne quelque chose en plus. Si vous savez que ça que la fille n'a rien là, vous pouvez m'affronter. Mais si je dis que j'ai un fétiche à la maison, qui ne sait qui me fait des choses, vous commencez à avoir peur. Parce que vous n'avez pas la maîtrise de ceux qui ne sait là. Alors, pour finir sur ce sujet, monsieur le ministre, oui. Selon les informations et selon quelques audios qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est que les gaïmans, pour la plupart, sont en train d'aller vers les pays limitrophes. Et justement, quelles sont les dispositions que vous prenez aux frontières? C'est une vue de l'esprit et une imagination. Pourquoi ils pensent qu'ils vont vers la frontière? Ils ne vont pas à l'est parce qu'il y a un problème de langue. Ils vont à l'est, à l'ouest, bon, c'est les histoires. Quand ils sont quand on est menacés, on prend la clé des champs, monsieur le ministre. Oui, mais à la frontière, les dispositions sont prises. D'accord. Ensuite, nous avons une corrélation. Toutes les polices de l'Afrique, de l'ouest, nous sommes en liaison. On a des réseaux, on a des tableaux. Qui qu'il soit, si dans le, on trouve son nom dans le réseau, oui. On va informer nos collègues des frontières. Ils vont le retrouver. D'accord. Pas de problème. Alors, M. Saka Lafia, l'autre grand chantier oui. de votre ministère, c'est bien la protection civile. Oui. Il y a eu cette agence nationale de la protection civile qui est créée. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Je vous remercie. Et la police est là pour prévenir les crimes et les actes de délinquance des humains. Mais la nature aussi peut apporter les insécurités. C'est par exemple une inondation. Et là, les citoyens sont en insécurité. C'est un grand incendie. Les gens sont en insécurité. Il peut y avoir une grande catastrophe de transport. Par exemple, un bus ou bien un train, c'est la protection civile qui intervient dans ces conditions-là. Et avant notre arrivée, c'était un petit service quelque part. Plutôt une direction, non? Une direction, voilà. Aujourd'hui, on a voulu en faire une agence pour donner certaine autonomie de gestion, pour pouvoir augmenter en dehors de l'apport de l'État en matière budgétaire, qu'il puisse contacter d'autres ONG, d'autres structures, d'autres partenaires pour avoir suffisamment de ressources. Et cette agence, maintenant, on l'a dotée d'un conseil d'administration. D'une direction bien faite. Et on les a amenés parce que la protection civile, quand il y a un cas de catastrophe, c'est l'urgence de l'intervention qui vaut. Maintenant, on a mis en place un kit. OK. Et voilà. Donc, dès qu'une catastrophe survient, dans les 24-48 heures, on apporte d'abord ce kit-là. Avant de revenir, dire qu'on va aller acheter ceci, on va faire appel d'offres, on va rendre compte au gouvernement. Non. Et le gouvernement nous a donné une dotation de base qui permet de réagir rapidement. Promptement. Promptement pour que vraiment les premiers secours soient apportés à la population en cas de catastrophe, d'incendie, d'inondation, autre chose. Alors, est-ce que dans ce processus, monsieur le ministre, les maires et peut-être même les CA, comme on les appelle, est-ce qu'ils sont assez impliqués? Mais non, une organisation pyramidale. Et, disons, il y a une direction, une agence nationale, mais dans chaque département, nous avons des agences départementales. Et dans chaque commune, on a des personnes dédiées en cas de catastrophe qui informent la direction départementale. La direction départementale nous informe ici. Et ensuite, le numéro vert permet d'accélérer tout le fonctionnement de cette agence-là. Ensuite, cette agence travaille en liaison avec les sapeurs-pompiers. Et le premier secours pour sauver les vies, c'est les sapeurs-pompiers. Actuellement, 8 départements sur 12 ont une direction décentralisée des sapeurs-pompiers qu'on a tenté d'équiper. Un véhicule de lutte contre les incendies, en ambulance pour transporter les grands blessés, un équipement pour décoincer. Parce qu'une fois qu'il y a des accidents télescopiques, on va être coincé dans le véhicule, on les équipe. Pouvoir démanteler la voiture. Et cela se fait progressivement pour couvrir l'ensemble du pays. D'accord. Tel qu'on fait pour la police, où il faut mailler
tous les arrondissements aient apporté un commissariat pour assurer au maximum la sécurité, on fait la même chose pour la protection civile et les secours des sapeurs-pompiers. On va passer peut-être à cette question épineuse, okay, parce que beaucoup de Béninois en sont morts. Je voudrais parler, monsieur le ministre, de la question de la transhumance. Mais ouais, avant la transhumance, ouais, si ouais, vous le permettez, Arinda, c'est quoi, il y a cette question du RAVIP. Oui, oui, ça c'est l'état civil. L'état civil. Oui, c'est ce qui caractérise la plupart des pays africains. On n'a pas d'état civil. Bon, on a un état civil peut-être mal en point. Oui, on a le mot. mais on n'a pas la chose effective. Hein. Oui. Ça varie d'un coin à un autre. Si aujourd'hui, on m'a dit ça, hein, si vous écrivez en France, à Nantes, vous voulez un acte de naissance, si vous êtes né là-bas, d'ici, on vous l'envoie. Ce n'est pas le cas chez nous, ici. Ce n'est pas informatisé. C'est pas, bon, il y a l'informatisation, même les archives, le rangement, être sûr que tout le monde est dedans, il n'y a pas ça. Donc le RAVIP nous permet de combler cette lacune importante. Et après le RAVIP, on aura maintenant un état civil, digne du nom, traité de la même façon dans toutes les contrées de notre pays. D'accord. Et c'est au terme du recensement, on aura quand même, c'est un peu un embryon, comme déjà on avait un embryon juste là, on aura un bébé tout fait et qu'on va essayer d'entretenir. Quel est l'avantage de cet état civil? D'abord, c'est la technologie qu'on a. On a les empreintes, on a tout, tout est informatisé. L'avantage, c'est le numéro qu'on va attribuer à chaque citoyen. Parce que chacun disposera maintenant d'un numéro matricule. Voilà, d'un numéro matricule. Et à l'issue, on fera même une carte d'identité CDAO, au nom de la CDAO, ah bon, à tous les citoyens béninois, payants pour Henri, et peut-être gratuite pour son oncle resté au village qui n'a pas les moyens de s'en acheter. Au nom de la discrimination positive. Au nom des moyens qu'on a pour acquérir ce qui est utile et nécessaire, et de l'usage que vous allez en faire. Vous allez l'utiliser pour carte bancaire, vous allez l'utiliser pour carte de santé, vous allez l'utiliser pour rentrer dans les boutiques, en tout cas tout ce que vous voulez faire, votre oncle, c'est peut-être une fois en passant qu'il va s'en servir. Et donc pour cette raison, elle vous sera plus utile que n'importe quelle autre personne. Mais à côté de cela, cela vous permettra également de contrôler tous les Béninois, d'une façon ou d'une autre. De protéger. Ce n'est pas un contrat en tant que tel. Bon, on protégera au maximum tous les Béninois et aussi de contrôler maintenant les délinquants et ceux qui vont mal se comporter. Et vous voyez, il y a eu des idées pour dire bon, ça va servir aux élections. Non. Justement, le RAVIP servira aux élections, n'est-ce pas? Non. Le RAVIP n'est pas une liste électorale. Okay. Ce n'est pas la liste électorale. Il y a des enfants à l'intérieur. Les enfants ne votent pas. Il y a des étrangers dans le RAVIP. Les étrangers ne votent pas. C'est les adultes qui votent. Maintenant, à partir de ce recensement général, à partir de ce RAVIP, si les députés décident, on peut faire l'extrait de la liste électorale à partir du RAVIP. Ça sera facilité. Parce qu'on aura au moins l'ensemble des Béninois à l'intérieur de la base de données. C'est facile de trier pour voir ceux qui veulent aller voter, ou bien ceux qui remplissent les conditions pour voter, et de mettre de côté ceux qui ne remplissent pas les conditions pour voter. Monsieur le ministre, on va évoquer la transhumance au Bénin. Vous savez bien que, de façon cyclique, il y a de ces conflits entre éleveurs et agriculteurs. Les uns estimant que les bœufs détruisent leur culture, les autres estimant que les producteurs tuent leurs bêtes, et donc parfois c'est avec des morts à la clé. Je vous remercie. D'abord, il faut qu'on comprenne. Faire de l'élevage, c'est une activité économique, comme celui qui ouvre la boutique et vend. Faire de l'élevage, c'est une activité économique, comme celui qui achète le taxi et le conduit. Faire de l'élevage, c'est une activité économique, comme le menuisier à son atelier et fait. Donc, la transhumance fait partie des activités de l'éleveur. C'est un peu culturel, c'est culturel. L'élevage est appliqué par une catégorie, par les peules qui le font, avec transhumance. Il y en a qui ne sont pas peules aussi qui font l'élevage. Mais c'est surtout le grand bétail, les bœufs, et peut-être un peu d'âne ailleurs avec des chevaux. Mais chez nous, c'est les bœufs. Donc, vous comprenez, dans leur habitude, quand les animaux passent à se faire des peules quelque part, ils pensent que ce pâturage est suffisamment pollué.
que le pâturage est insuffisant, ils sont obligés de se déplacer. Mais on constate malheureusement, comme vous le dites, il y a souvent des conflits, surtout que dans le cadre des accords de la CEDEAO, notre pays est identifié comme un pays d'accueil des animaux venant des pays sahéliens. Je veux parler du Burkina, je veux parler du Niger, je veux parler même du nord du Nigeria. Donc, généralement, en saison sèche, ces animaux descendaient jusqu'à la côte ici. Pour... Et il y a quelques années, les zébus, les animaux à bosse là, ne pouvaient pas venir au sud d'ici parce que c'était trop humide. Mais avec le changement climatique, c'est souvent sec, ça leur permet de venir jusqu'à Dogodomé, de venir jusqu'à Atiémé. Auparavant, ils ne pouvaient pas y venir parce qu'il y a des maladies et qu'ils ne peuvent pas supporter quand il y a trop grande humidité. Donc, notre pays a signé ses accords avec la CEDEAO pour accueillir ces animaux. Mais on a constaté, alors qu'au départ, ça se passait bien. Au départ, il y a 20 ans, 30 ans, donc la population n'était pas très nombreuse dans la zone méridionale. Au fur et à mesure que le temps avançait, il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de conflits avec des morts d'hommes. Donc cette année, après la loi tolérée en 2016, tolérée en 2017-2018, oui. Le gouvernement a décidé de limiter de Dassa jusqu'à Cotonou, qu'on ne puisse pas faire la transhumance transfrontalière. C'est-à-dire des animaux étrangers ne peuvent pas venir. Étrangers, voilà, de Nigeria, on ne peut pas venir en transhumance là. Quand on est un troupeau nigérien qui a quitté le Niger, on ne peut pas venir faire la transhumance, ou qui a quitté Burkina, on ne peut pas venir passer la saison sèche. Néanmoins... Cela peut-il régler définitivement le problème, monsieur le ministre? Bon, on s'est pris au mois de décembre, quand la décision a été ferme. Donc, il y en a qui étaient déjà venus. Il y en a aussi qui avaient déjà planifié. Il y en a qui ont quitté le Nigeria, qui savaient aller traverser le Bénin pour aller passer la saison sèche au Togo. Je n'étais pas informé, cela a quand même pas empêché que certains arrivent. On a pris des mesures pour empêcher à ces troupeaux d'entrer, ceux qui ne sont pas entrés, mais ceux qui étaient à l'intérieur, il fallait gérer jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'est maintenant clair dans notre pays. Les textes existent, la transhumance transfrontalière, c'est-à-dire des animaux étrangers, ne peut plus passer de Dassa, de Cotonou jusqu'à la latitude de la commune de Dassa. Même les animaux béninois qui ont passé la saison des pluies au nord, là-bas, Grajoué et la suite, ne devraient pas venir ici. Mais un troupeau de bœufs qui, en saison des pluies, était à Dija, peut venir à Kové. Un troupeau de bœufs qui a passé la saison des pluies à Kétou peut aller à Tiémé, faire sa transhumance sans problème. Et généralement, ces éleveurs comprennent un peu la langue. Ils ont le temps de connaître le terrain. Donc, généralement, leurs troupeaux sont moins importants que les troupeaux qui viennent de l'extérieur. Donc, ça se passe généralement sans grand conflit. D'accord. Et à côté de ça, monsieur le ministre, oui. Comment se portent nos frontières aujourd'hui? Ah. Et je pense que on a trouvé une situation qui n'était pas très mauvaise. Parce que quelques années auparavant, on a créé l'Agence béninoise de gestion des frontières. Mais avant la création de cette agence, ce n'était pas bien. Et vous vous êtes rendu compte, on disait que notre pays faisait 112 000 km². Maintenant, on est dans nos frontières réelles, on est environ à 114 000 km². Parce que nos voisins de l'Est occupaient une grande partie de nos territoires, croyant que c'était le leur. Avec la création de cette agence et la coopération des textes internationaux, on a pu récupérer une grande partie. Ce n'est pas totalement terminé. On a posé des bornes réglementaires du côté du Nigeria. Des bornes déplaçables. Indéplaçables. Parce que celles qui étaient là faisaient à peine 50 kilos de béton que quelqu'un peut soulever. Aujourd'hui, on a des bornes de 500 kilos, d'une tonne, qui sont installées, qu'on ne peut pas déplacer facilement. Donc, du côté Nigeria, on a de moins en moins de problèmes. Mais ça existe pour néanmoins, hein, parce qu'il y a des habitudes. Hein. Les gens connaissaient que c'était leur territoire, ils avaient leurs plantations, ils avaient leurs champs. Qu'on leur dit aujourd'hui que ce n'est pas le Bénin,
Ce n'est pas le Nigeria, c'est désormais le Bénin ou vice-versa. Hein. Il y avait des villages aussi que le Bénin occupait, qui étaient... Des villages nigériens. Voilà, qui étaient des villages nigériens. On a déguerpi les villages béninois. Ils occupaient, ils aussi, ils ont enlevé leur drapeau, ils ont enlevé leur école, ils sont partis. Donc, on est dans cette situation-là. Mais quand même, ça se passe relativement bien du côté du Nigeria. Du côté du Togo, également. À ce moment, on est en train de construire de nouvelles bornes pour bien délimiter, sans enfreindre au texte de la CEDEAO. Aller, venir, on peut aller. Mais on veut avoir un endroit où on sait que la responsabilité de la police béninoise, c'est à ce niveau. D'accord. La responsabilité de la police togolaise ou nigériane, c'est à ce niveau. Et avec cette agence, on fait beaucoup de choses. Généralement, c'est des villages qui sont oubliés, négligés. Cette agence permet de faire des infrastructures de base, de faire les, construire des écoles dans les villages qu'on a récupérés, de construire des centres de santé, d'y mettre même des commissariats qui ont une certaine envergure, sur 100 km, par exemple, du nord au sud. Et la police, on a un commissariat avec des policiers qui assurent, des policiers formés spécialement pour gérer. Ensuite, on a innové la politique transfrontalière, avec des rencontres entre les autorités de ces pays-là, de ces villages, ça habitue les uns aux autres, ça évite des conflits. On leur permet d'organiser leurs fêtes traditionnelles. Si les gens ont des rites qui, d'un pays qui devait venir faire au Bénin, on leur permet de venir librement faire leurs rites. Si les Béninois devaient aller dans le pays frontalier pour faire leurs rites, on leur permet d'aller librement et faire leurs rites. Donc ça a réduit considérablement les conflits transfrontaliers. On veut continuer, parce que tout n'est pas parfait. Cela permet aussi de lutter contre l'extrémisme. Parce que généralement, c'est des zones négligées, oubliées. Ce sont des terreaux fertiles. Voilà, des terreaux fertiles au développement de l'extrémisme. Donc, si on leur apporte un minimum, ils sont fiers d'appartenir au Bénin. Ça va qu'ils sont béninois. Donc, on n'a plus tellement de motifs de les radicaliser ou bien de les amener à être contre leurs dirigeants. Donc, c'est quelque chose de positif qu'on encourage, qu'on gouvernement finance et aussi que les partenaires aident aussi à améliorer. Il y avait quelques velléités à la frontière avec le Burkina. Est-ce que là-bas aussi, Là, on n'a pas réglé totalement. Cela ressemblait à ce qu'on avait avec le Niger. Entre-temps, sur le fleuve Niger, la Cour internationale de justice nous a permis de trancher. De la même façon, on a un petit litige comme ça au niveau de Porga avec le Burkina. Mais vous savez, chaque président, au moment de prêcher serment, il juge assurer l'intégrité du territoire. Absolument. Donc, aucun, dès qu'il y a un conflit comme ça, personne ne dit, bon, c'est pour vous. Tant qu'il n'y a pas de documents crédibles qui le prouvent, ou à défaut de documents, vous êtes obligé d'aller à une juridiction internationale qui reconnaîtra cette partie-là appartient au Bénin. Et donc, le pays perdant se résout. Là, on ne peut plus l'accuser de haute trahison, d'avoir vendu une partie de céder, une partie de territoire. C'est la juridiction internationale qui a dit que ça appartient au pays voisin. Voilà. Donc, on est là-dessus. Avec le Burkina, on a convenu d'aller à la juridiction internationale pour savoir la portion de terrain qui appelle le pont. Oui, ça va trancher et puis bon, on n'a aucun problème. Tout le monde est disposé à respecter ce que la juridiction internationale aurait tranché. D'accord. Oui. Voilà. Vous parliez de, sur la même question, hein, d'agents de police spécifiquement formés pour gérer les frontières. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que le parc Pendjari, c'est pratiquement aussi au niveau de la frontière. Mmh. Est-ce que ce sont les mêmes éléments ou pour non, le parc Le parc, c'est différent. Le parc, c'est différent. Mais mon collègue de cadre de vie va vous en parler en détail. Je crois qu'il y a beaucoup, justement, de réformes qui sont engagées, justement, oui, dans ce parc. Oui, voilà. Donc, si je vous en parle, je peux vous parler que de l'aspect sécurité. Et le parc a été confié à des spécialistes qui ont, par ailleurs, d'autres parcs en Afrique, des professionnels qui ont recruté leurs agents personnel de sécurité qu'ils payent pour permettre aux parcs et qui forment d'ailleurs les Béninois. Non, c'est les Béninois qui recrutent généralement les gens de la localité pour qu'ils sachent qu'il y a une retombée.
Et puis, c'est des gens aussi qui connaissent un peu plus ou moins le parc, parce que pendant leur jeunesse, ils sont partis une fois, deux fois. Et aussi qui ont un amour pour les animaux qui se trouvent, qui reconnaissent que c'est un patrimoine qui, dont ils tirent de profit, un patrimoine national, certes, mais dont ils tirent les premiers intérêts. Donc, c'est eux qu'on recrute et qui assurent la sécurité et la garde du parc, et des animaux surtout. Alors, Monsieur le ministre, on va poursuivre en parlant cette fois des perspectives que vous avez justement pour les prochaines années du point de vue sécuritaire. Ah, le gouvernement a des ambitions, une ambition noble. C'est de faire de notre pays un pays totalement sûr, un pays où les citoyens sont épanouis, un pays où le citoyen ne se pose pas la question de sa sécurité. Et vous allez constater, par exemple, que dans le cas même du transport en commun, on a interdit, par exemple, les pèlerinages qui sont fréquents chez nous aussi avec des grands camions, on a dans les bus. Cela réduit considérablement des accidents graves. Donc, nous avons beaucoup d'ambitions à faire en matière de sécurité. Et d'abord, on pense améliorer les effectifs pour un meilleur maillage du pays, qu'au moins à terme, que dans chaque arrondissement, qu'il y ait une unité de police qui assure la sécurité des gens. On pense, en matière toujours de sécurité, être le plus fluide possible, qu'il n'y ait pas de barrage. De fluide, voilà, il n'y a pas de barrage. Ça, maintenant, à l'avenir, on ne barrera la route nulle part. Mais cela n'empêche qu'on contrôle le comportement des conducteurs avec les radars qu'on va renforcer, avec aussi l'équipement de la police pour avoir des moyens de communication plus efficaces, que dès qu'on croise par hasard un automobiliste qui fait mal, qu'on puisse le signaler, que la prochaine patrouille puisse l'arrêter. On a une perspective. On a parlé tout à l'heure de la vidéosurveillance privée. Le gouvernement a l'ambition de faire la vidéosurveillance publique dans les carrefours des grands centres urbains. Et dans les centres névralgiques, par exemple à la plage, par exemple dans le parc, donc pouvoir mettre des caméras pour surveiller à distance ce qui se passe. Donc en matière de sécurité, l'horizon est clair. C'est l'insécurité. On est conscient que c'est un processus. C'est une quête permanente, vous l'avez dit dans votre introduction, mais on veut être le plus proche possible de l'insécurité zéro. On sait qu'on ne l'a jamais. Même les pays les plus riches, les pays les plus dotés, il y a toujours, parce qu'on a affaire à l'homme. On a affaire à un individu, l'homme, quelque chose de très difficile à maîtriser. En matière de protection, toujours la sécurité, protection civile, oui. Et on veut au maximum faciliter la vie aux citoyens. Avec la protection civile, avec l'état civil informatisé au maximum, que vous puissiez vous déplacer, aller où vous voulez, tout en laissant des traces pour assurer toujours votre sécurité. Et l'informatisation au maximum, la surveillance au maximum, la sécurité au top niveau, c'est l'ambition de notre gouvernement. C'est de belles initiatives, de belles perspectives, Monsieur le ministre, mais est-ce que le policier, est-ce que le gendarme vit bien? Dans leur corporation, l'organisation que nous avons, il y a un aspect, une petite insuffisance. Et quand je suis arrivé, j'ai eu des cas où des agents ont été victimes d'accidents graves lors d'une intervention, disons, affrontée aux braqueurs, il y en a qui ont perdu la vie, je ne sais pas s'ils ont une assurance pour le faire, il y en a qui ont perdu des membres. Donc je crois avec les nouvelles dispositions, la nouvelle loi qui n'est pas encore votée, on pense leur assurer, créer une assurance individuelle, risque de métier. Ça, c'est très important. Si par hasard, dans les fonctions, un policier venait à perdre la vie, il faut que sa famille soit protégée, que ses enfants puissent grandir normalement, s'il y a encore des parents vivants, qu'ils puissent grandir normalement. S'il était vivant, qu'il a une incapacité
d'activité, il faut lui assurer le minimum pour vivre décemment jusqu'au moment où Dieu va le rappeler. Donc, ça manque en ce moment. Et je pense que le gouvernement est disponible pour mettre en place une telle assurance qui va rassurer les uns et les autres dans le métier qu'ils sont en train d'exercer au profit des Béninois. Et quant à la formation, parce que le chef de l'État, il parle d'agents qui doivent justement être professionnels dans leurs tâches. Oui, c'est réel. C'est pour cela qu'on attend que la fusion soit avancée. Et même la loi qu'on a introduite dans ce cadre-là a prévu d'élever le niveau de recrutement. Au départ, aux indépendants, c'était celui d'avoir le CPE. Après, on est passé le BPC. Cette fois-ci, on va aller au bac. Ah bon? Ouais, on va avoir le bac pour être policier de base. Dans d'autres pays, il faut avoir sa maîtrise en droit pour être policier de base. Il faut avoir des notions. Parce que quand le niveau est élevé, l'apprentissage est plus facile. Et quand le niveau est élevé, la qualité de la formation. Parce que, vous voyez, c'est des gens qui ont plusieurs professions. Il faut faire de l'Internet, il faut utiliser les caméras, il faut... Bref, aujourd'hui, un policier doit être quelqu'un qui est au top, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan physique, évidemment. Donc, on veut améliorer. Et aujourd'hui, on a les ressources humaines pour le faire. On ne peut pas continuer de tourner de la même façon, sans tenir compte de l'évolution du monde. Voilà pourquoi on a élevé ce niveau-là de recrutement. Alors, face à un policier outillé, qualifié, oui. Il faut bien des populations qui coopèrent. Oui. Et vous savez bien, en ce moment, dans nos différents quartiers, vous avez des gens qui roulent carrosse, on ne sait pas trop bien ce qu'ils font. Voilà. Ce n'est pas forcément les guy-men, comme on dit. Mmh. Mais ils sont là, tout le monde sait. Tout le monde, personne ne sait ce qu'ils font, mais personne ne les dénonce. Est-ce que dans les perspectives, il y a justement des mesures pour amener, pas forcément les chefs quartiers, mais pour permettre à chacun de surveiller chacun, si tu peux m'expliquer. Je voudrais dire tout de suite, je voudrais dire que d'abord, il y a la vidéosurveillance publique dans le carrefour, ça c'est pour protéger les biens des gens, des citoyens. J'ai dit également qu'on va reprendre la téléphonie, l'enregistrement. On va bien identifier chaque citoyen dans ses communications et dans ses contacts avec les autres citoyens. Nous, on pense que tout ça va contribuer à améliorer la sécurité. L'objectif pour nous sera la sécurité. Ce n'est pas de surveiller ou de contrôler les gens dans leur activité politique, dans leur activité syndicale, dans leur activité civile. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. On recherche ceux qui le font contre les intérêts des autres. Vous voyez, et de façon irrégulière, illégale. Tant que vous respectez la loi, vous respectez les dispositions réglementaires, chacun serait libre de faire ce qu'il a à faire pour épanouir sa vie. C'est ce que nous recherchons. Et quant au renseignement, monsieur le ministre, le chef de l'État, le 18 juillet, le disait devant les hommes en uniforme, sans un renseignement fort, il n'y a pas de sécurité. Oui, on est convaincu de ça. Notre gouvernement ne fait pas des déclarations à l'emporte-pièce. Il y a une loi. Absolument. Qui est à voter sur le renseignement. Parce que c'est important. Même pour lutter contre et la cybercriminalité, hein, contre le radicalisme et l'insécurité, en fait, en général, c'est le renseignement qui doit être à l'avant, qui doit pour pouvoir anticiper. C'est le renseignement, pour ça qu'on fait une loi spécifique pour ça. Et quoi, la loi, elle n'a pas lieu en totalité, visera à mieux organiser, à mieux structurer cette activité-là, qui est importante pour tout État qui se veut un État sérieux et un État suffisamment digne de protéger ses citoyens. En général, quand on dit renseignement, les gens pensent aux hommes. Espionnage. Aux hommes en uniforme, c'est-à-dire que. Police républicaine et peut-être les militaires. Est-ce que la nouvelle loi prévoit que justement des civils
quelle que soit leur localité, soient impliqués justement pour que le maillage soit complet. Oh, je crois que ceux qui seront responsables des renseignements seront organisés. Ils vont utiliser tout. Ça, on utilise même les éthyliques. Bon, on va même utiliser toutes personnes, les éleveurs, tous les citoyens. Je suis sûr. Les professionnels vont le dire mieux que moi. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. On va vous demander de conclure. Je vous remercie et je salue fortement cette émission. J'espère que mes collègues du gouvernement auront l'occasion aussi de s'exprimer dans leur secteur. Absolument. Pour demander aux Béninois d'être confiants. J'ai déjà appartenu une fois à un gouvernement. J'appartiens à un autre, mais je connais la différence et de s'assurer que ce gouvernement est un gouvernement sérieux, qu'on a de l'ambition et la meilleure ambition pour les Béninois et de façon particulière dans le domaine de la sécurité. Que cela n'est pas parfait aujourd'hui, mais cela ira de mieux en mieux pour protéger les citoyens dans leur physique et protéger les biens des citoyens. On est conscient qu'il n'y a pas de pays où il y a une sécurité zéro. Mais le gouvernement, de façon collégiale, travaille pour qu'on tende vers la sécurité maximum dans notre pays, et en ville et en campagne. Et à cela, on vous convie de nous aider pour que cette ambition du gouvernement soit une réalité pour les uns et pour les autres. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, Henri Ndasekou, merci. Merci de m'avoir accompagné dans la conduite donc, de cet entretien avec le ministre de l'Intérieur qui faisait justement, mesdames et messieurs, le bilan des deux années de gestion du régime du président Patrice Talon du point de vue sécuritaire. Vous avez pu apprécier justement ce bilan qui a été présenté par le ministre de l'Intérieur. Vous avez pu tirer les conclusions. De toute évidence, la sécurité, c'est d'abord les renseignements, c'est le professionnalisme, c'est la formation, c'est également l'anticipation. Le ministre Saka Lafia l'a dit, le président de la République l'a plusieurs fois répété devant caméras et micros. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être resté en votre compagnie. Pour un Bénin vraiment sécurisé, il faut que chacun s'y mette, il faut que les populations puissent accompagner justement les forces de sécurité publique à remplir cette mission qui est patriotique pour chacun de nous. Preuve de toutes les réformes qui sont menées, vous avez compris que la sécurité a quand même un point d'honneur dans le programme d'action du gouvernement. C'était un plaisir d'être resté avec vous. Merci de votre aimable attention et de votre fidélité. À très bientôt.